Alors, remplacer Georges Uzel, c'est un bien grand mot, si je dois dire. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que bon, je ne le remplacerai évidemment pas pour sa personnalité scientifique et tout l'apport scientifique et d'enthousiasme qu'il a pour ce projet et qu'il a porté et qu'il a défendu très fort auprès de Météo Climat. De toute façon, nous, on est aussi immédiatement montés dans ce projet, puisque c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en ligne avec ce que fait Météo et Climat. Bon, nous, ça fait longtemps qu'on existe, la Société météorologique de France, qui s'appelle maintenant Météo Climat, ça existe depuis 1852. Alors, ce qui est notre rôle depuis toujours, c'est de partager les connaissances, de les réunir. Au début, ça a commencé par regrouper des données météorologiques qui étaient bien avant que tous les organismes de recherche s'y intéressent. Donc, la formation, c'est quelque chose de primordial. La formation, pour nous, elle est d'autant plus importante à l'heure actuelle, c'est que l'on sait, tout le monde le dit ici, c'est que notre navire Terre est sur une route dangereuse. Voilà. Pour ses passagers. C'est pour ses passagers qu'elle est franchement dangereuse. On sait que la côte des 1 degré sera dépassée, que celle des 2 degrés est à peine évitable et qu'on se dirige vers des falaises abruptes de 3 à 5 degrés. Le point qui est important pour l'éducation, c'est que la route n'est pas aussi dangereuse pour tous les passagers. Elle l'est davantage pour ceux qui se trouvent déjà dans une région semi-aride, à proximité des côtes, sur une île en zone inondable. Mais ce qui est beaucoup plus important pour ce qui est notre point aujourd'hui, la route est plus dangereuse pour ceux qui n'ont pas accès aux connaissances indispensables pour déchiffrer le terrain, pour agir afin de changer de cap, pour agir afin de s'adapter. Et c'est là que l'Office for Climate Education a un rôle important à jouer. Et c'est un rôle qui est global, parce qu'évidemment, la planète, elle est globale. Donc, nous, en tant que météo-climat, on a beaucoup travaillé depuis longtemps à ce genre de problème éducatif, avec nos partenaires jusqu'à présent, qui étaient Météo France, l'INSU, l'IPSL, l'ADEME, le CLES, et maintenant l'Académie des sciences. Alors, nous éditons une revue, ça c'est pas quelque chose sur lequel je ne vais pas parler très longtemps, sauf qu'on a fêté notre 100e numéro de la série 8, donc c'est quand même quelque chose qui date depuis un moment, qu'il y a des articles en français, donc on est une des rares revues à comité de lecture qui est encore éditée en français, qui est relue, qui est réécrite pour la rendre le plus facilement accessible à un large public, qui depuis quelque temps a des articles qui sont spécialement dédiés pour les enseignants et avec beaucoup d'illustrations qui nous sont fournies par Météo France, qui la rendent, disons, très parlante pour le grand public. On remet aussi un certain nombre de prix. Depuis un moment, on remet le prix Perrin de Brichambault, qui récompense un projet sur le thème de la météorologie du climat, qui est réalisé en cours d'année scolaire par une classe de primaire ou de secondaire. C'est quelque chose qui existe depuis un moment. Et nous sommes surtout ouverts à de nombreux partenariats. Et c'est dès qu'ils s'inscrivent dans notre vocation. C'est pour ça que l'Office for Climate Education, c'est effectivement quelque chose qui, pour nous, est très important. Alors, nous accueillons depuis 2015 les messagers du climat, qui sont un vecteur de faire connaître le climat sur toute la France, et nous sommes copartenaires du projet du train du climat. Nous co-organisons depuis de nombreuses années le Forum international de la météorologie, et je vois que Christian Vanier est là, il vous en parlera davantage, et qui a pour but d'informer les présentateurs météo et d'offrir des activités à destination des scolaires et des cours publics, et nous participons à bien d'autres choses, comme les rencontres jeunes et espaces à Toulouse. Bon, nous faisons aussi des choses un peu plus anecdotiques, on dirait, mais qui ne le sont pas tant que ça, c'est-à-dire de faire valoir des préoccupations qui sont internationales. Nous sommes membres de l'Association européenne de météorologie. À ce titre, nous avons participé à la diffusion d'un Collective Global Climate Statement qui était pour alerter sur le fait qu'il y a urgence à avancer sur la formation et sur mettre la science en avant pour affronter les problèmes qui nous attendent. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et c'est pour nous avec enthousiasme et avec l'importance, avec la pleine connaissance de l'importance que l'éducation a, que nous rentrons dans cet Office for Climate Education. Je vous remercie.